Et je coupe un peu la musique. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi, vous allez vite deviner que je suis pas frais. Donc, grosse fatigue, et puis je pense un coup classique. En plus, je me suis coltiné cette semaine un bâtiment avec de la clim. Et les climatisations de bâtiments, je supporte pas. Ça me met en PLS, ça a pas loupé. Donc du coup, désolé, samedi dernier, là, enfin hier, j'ai passé comme un chat ma journée à dormir. J'étais épuisé, j'étais souffrant en plus. J'avais mal aux muscles, aux vertèbres, mal au bide, une horreur. Complètement claqué. Là, j'ai encore les mêmes douleurs, mais moins fortes. Donc j'arrive encore à parler. Hier, j'aurais pas pu parler, par exemple. Ça me demandait trop d'énergie. Et puis la fatigue, quoi. Donc, pas de caméra, journée spéciale Stardew Valley. Là, comme j'ai mon siège de qualité où je peux me mettre en position semi-allongée, bah, le cadre de caméra correspond plus, donc je coupe la caméra, elle n'est pas branchée. Voilà le comment du pourquoi. Et pour me détendre, voilà, je vais me faire du Stardew Valley en solo. Alors, ouais, tranquillement, oui, c'est ça, Nainonette. Bonjour à toi. Je ne sais plus si je t'ai salué de manière nominative, excuse-moi. Merci à toi d'être là. Ah, il y a des intérêts stratégiques dans la partie, hein. Je suis en train de lire là. J'hésite, j'hésite. J'ai envie de dire, je vais prendre la ferme standard parce que sinon je m'expose à des risques. Comment qu'on va l'appeler le perso? Ah. On va l'appeler Judas! Je sais pas. Marcel. Voilà, j'ai pas plus d'inspiration. Nom de la ferme. Paradis. Le petit coin de paradis. Chose préférée, la santé! J'ai joué moi aussi, j'y avais joué à deux avec un pote. Ah! Bah là, je refais en solo parce que malheureusement, j'ai pas eu d'opportunité avec Olive pour faire la suite. On avait fait juste un épisode en coop. Mais si l'idée te plaît aujourd'hui de me rejoindre, dis-le-moi maintenant. Que je me la programme en multijoueur. D'ailleurs, je sais plus comment on fait. Ouais, Olive revient, ouais, bah oui. Le terrain est divisé en 4 parcelles avec son propre avantage. Non, non, c'est pas. Ok. Alors, l'animal de compagnie. Alors, moi, je suis très chat. Ok. Je suis très chat, je suis très chat. Oh là! J'aime bien le truc aléatoire. Ah oui! Ah oui, Marcel, il est magnifique comme ça. Ah, génial! Oui, passer l'intro, on l'avait déjà vu. Encore que. Oh non, pour ceux qui connaissent pas le jeu, allez, je vais remettre là. Allez, go!
Et pour mon petit-fils très spécial. Ah oui, je l'ai à la manette. Je veux que tu aies cette enveloppe scellée. Non, non, l'ouvre pas maintenant, un peu de patience. Maintenant, écoute-moi bien. Il viendra un jour où tu te sentiras écrasé par le poids de la vie moderne. Et ton brillant esprit disparaîtra dans un vide sans fond. Ça va, sympa, Quand cela arrivera, mon garçon, tu seras prêt pour ouvrir ce cadeau. Maintenant, laisse ton grand-père se reposer un peu, X années plus tard. Joya. Mais l'autre, elle fait face à son écran d'ordi qui est éteint, la blonde. La blague. Cher Marcel, si tu lis ceci, cela veut dire que tu as un grand besoin de changement. La même chose m'est arrivée il y a fort longtemps. Je perdais de vue ce qui compte le plus dans une vie. Les liens réels avec la nature et les gens. Alors j'ai tout abandonné pour m'installer ailleurs. Je te joins l'acte officiel de cet endroit, ma joie, ma fierté, la ferme paradis. Elle se situe à Stardew Valley sur la côte sud. C'est l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie. C'était mon cadeau le plus précieux d'entre tous et il t'appartient désormais. Je sais que tu feras honneur à la famille, mon garçon. Bonne chance. Je t'aime, grand-père. Post-Christum. Si le vieux Lewis est toujours en vie, salut de ma part. Enfin, tu veux bien? La vallée des rosées, tiradiradiradé. Robina, celle qui nous embobine. Salut, tu dois être Marcel. Oh merde, déjà? Livraison, bon. Des graines de panne et... Vous avez réussi 15 graines de panne et... Vas-y, un petit quelque chose pour vous aider à démarrer le Merlimis. Ah bah, il est gentil le Merlimis. Oh! Je me souviens plus que c'était aussi bordélique dès le début. Je n'ai pas de courrier. Attends, la touche verte, ça menu. Ah ouais! Ok. Mais ça, c'est ma barre d'action. Ah oui, je change comme ça. Ah, c'est bien. Oulala. Attends. Comment je fais l'action? C'est quoi? C'est la clé? Ah, c'est comme ça!
vachement bien faire, rien que le coup de la faux. Yeah. Voilà, on voit qu'il y a un stade intermédiaire, il faut que je me prenne une deuxième fois pour bien... Ça donne un côté réaliste. C'est très bien pensé. Rien que le contour de la ferme déjà. Ah oui, on voit qu'on aura un animal là. Le truc est déjà prêt. Oh la vache! Je me souvenais pas. Il y a la vibration de ma manette qui est active quand je pète le rocher. Ça me fait bizarre dans les mains. Je suis en train de me dire, de tous ceux que je connais, je suis seul à pas avoir joué à Stardew Valley, parce que donc Olive il joue, Morbo y a joué, Nash y jouait, il m'en avait parlé qu'il avait bien aimé que c'est relaxant. Là tu me dis que tu y as joué avec un pote, je suis seul en fait à pas connaître le jeu. Eh ben. Ouais, bon là comme ça pour un début c'est déjà pas mal hein. C'est quoi déjà la boîte? 52 bois. Oh là là, j'y suis pas. Ah mais défoncer les arbres c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Ah. Bon, ça c'est une grosse souche, mais... Ah merde, ma hache est pas assez puissante. Voilà, il m'en faut 50 pour faire un coffre. Allez,
38, on y croit. Je reconnais qu'il y a des arbres, il faudrait que je les abatte parce que il y en a un peu trop par endroit. Pour faire des champs ou même un parc pour animaux, il y a des trucs, c'est abusé quoi. Allez, un dernier morceau de. Ah, c'est un papillon. J'ai flippé. Ça y est, je l'ai. Maintenant, il faut que je retrouve le chemin du retour. Au secours! J'ai l'impression que c'est un truc qui va me dire il y a un sous-sol. Ah. Voilà, je peux ranger mes trucs. Nickel. Alors, si je fais de l'agriculture alors que je suis au bord de l'épuisement, mélange de graines. Je vais commencer par ça. Ouais, je vais commencer par la petite parcelle par ici. Là, ça fera un chemin et puis basta. Bonjour Jay. Voilà. Mon perso est en PLS. L'occasion pour moi d'aller visiter le village. Là au-dessus, il y a déjà quoi? Ah, il y a le bus en panne. Au désert de Calico. On peut aller dedans? Non. Oh, c'est joli. Ah, hors service. Ah, il y a des trucs à réparer pour se donner des accès. Je viens de finir mon petit déj, j'y ai déjà, je suis plutôt matinal aujourd'hui. Ah bah c'est bien. Tu me diras, moi c'est pas bien. Moi qui suis en malade, là j'ai rien mangé. Je sais pas, y a rien qui me fait envie. Ah, peut-être que je me force à croquer un ou deux biscuits. Pas comme ça que je récupère mon énergie. Oh la junkie. Et ce jeu m'a l'air d'être un pur chef-d'œuvre. Graphiquement, il est magnifique. Allez, je fais comme un livre, je fouille des poubelles. Ah mon dieu. Oh là là, on a vite fait de se perdre.
Forêt et Pélicanville. Alors, on fait dodo. On est chez qui? C'est quoi? C'est la carte, elle est là, je crois. Voilà, j'ai un gros terrain comparé aux autres, punaise. La ferme de Marny, ok. Ah, là, une petite ferme de chiottes comparé à moi, j'ai un truc, punaise. Je devrais logiquement être le super producteur de la du patelin. Ah ouais, c'est un chemin de ma ferme. Ok. Ok, je suis de retour chez moi. Bonjour Olive. Alors la télé, ils disent quoi? Bulletin météo. Allez, dis-moi qu'il flotte, j'aurais pas arrosé. Ah merde, faudra arroser. On sait pas mes trois plantes qui. Bah non. Que je profite un peu de ma soirée quand même. Bol décoratif. Oh merde, j'ai viré le bol. T'as de le dire, pas de bol. Hop, je peux sortir, aller dans mon coffre. L'orage combustible, la fabrication et la fonte. Nanana, nanana, nanana. Ouais, oh. Pour rien faire de particulier. Hop là. Mais non, j'ai déjà regardé. Attends, comment j'en mets le bol? Ah merde, je vais pas pouvoir remettre le bol. Si? Attends, c'est moi ou le bol est plus gros qu'il ne l'était au départ? Oh merde, le mec il arrive à grossir les objets. Cet homme est dangereux. Ah. Oui, Worms, c'est à 15h, ouais. Bah moi je suis malade, alors c'est pas cool, je suis affaibli. C'est pour ça que du coup je me fais du Stardew Valley là aujourd'hui. Sans caméra parce que je suis quasiment en position semi-allongée. Merde, il me propose plus le dodo. Bah, il me propose plus le dodo. Ah. Alors, attends, je vais symboliquement fermer le feu de cheminée parce que... Bonjour l'incendie si tu dors avec les flammes. Mais sinon, vous d'autres, oui, j'espère que vous allez bien. Oh merde, j'ai de la lecture. Coucou! Je viens de rentrer d'une excursion de pêche. Je devrais venir à la plage un de ces jours, j'ai quelque chose pour toi. C'est signé Willy. Willy Rovelli. Je crois que je l'avais faite la dernière fois. À vrai dire, je connais personne qui se prénomme Willy dans mon entourage. J'ai jamais connu. Attendez, je peux faire pause? Ouais. Parce que là, je commence à avoir mal au bide et j'ai soif. Il y a un truc qui m'intrigue dans l'interface. Marcel autour de lui il peut avoir deux bagues, il peut être fiancé deux fois. Le mec il s'engage deux fois. Oh bah repose-toi bien Olivier. Ah oui t'es vraiment esquinté, quelque chose de méchant. Voilà. Oh
le chat aura son truc dans la gamelle. Non, c'est le changement de saison, LJ. Ça, c'est un classique, surtout quand tu bascules de la bonne vers la mauvaise. Ah, c'est des pouvoirs spéciaux. D'accord, ok, merci. Parce que je sais qu'il y a des romances dans le jeu. Donc sur le coup, je le vois que sur le côté romance. Ah bah oui, coffre. Ah, merci, je me disais bien qu'il pouvait y avoir des... J'allais dire des alliances. Des mariages. Réfléchissons. Comment je peux faire un truc beau et propre? Parler de Minecraft 2D, LJ, parce qu'en fait il y a trop d'interactions sociales, c'est trop littéraire, on peut pas le comparer à Minecraft. Alors certes, il y a des combinaisons de trucs à faire pour les objets, à partir des ressources premières, matières premières pour faire des produits finis, mais de là à dire que c'est un Minecraft 2D, non. Non, tu veux un Minecraft 2D, tu prends Starbound ou Terraria. Là oui, là je serais d'accord. Oh là là, vous apprenalisez. Sympa. Alors, il va falloir que je parte quand même à découverte de personnes, que j'aille faire un peu de social. Ou d'ailleurs, je peux ranger mes trucs. Que j'aille en ville. Je sens que je vais me prendre des vents. Et puis, il y a une histoire, enfin plusieurs, mais pas autant de scénar que dans un autre jeu similaire. Donc j'ai bouffé le nom. Hein. Attends, je reste là où il y a des cailloux. Enfin, des cailloux. Où c'est. Ah bah. C'est déjà plus caillouteux. Oh, sympa! La 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 la. C'est le fameux bâtiment des larbrés. Eh oui, c'est vrai, j'avais oublié la queue des fantômes bizarroïdes. Tiens, je peux prendre un peu. Oui, je suis bizarre. Oh là là.
chez qui. Oh, un astronome. Trop bien. Chez qui ce nom? Je suis chez... Ah, ça trop vite. Chez Siri. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un hôtel? C'est l'hôtel du Watton Larbeau. Hein? Il y en a qui sont sous la tente? Oh, c'est rigolo! Non, il y a rien là. Oh, je sens que ce patelin cache de ses mystères. Buzzer. Voix ferrée. Là! Il y a un ébouli. Vous êtes sérieux, les gens? Oh! Réforme sauvage. Un poireau! Yeah! J'exhibe fièrement. Je suis là, mon poireau! Elle n'est pas sortir de son contexte. Hein? Non, déconne pas! C'est mon terrain, mais je peux. Ah merde, j'ai pas l'air con! Oui, il y a plein de trucs cachés, ça c'est dense, effectivement. Ah oui, les petits verres que tu vas sortir au sol par endroit, tu peux les bêcher. Ça loot des petits trucs, de l'argile, mais pas que. Ok. Alors, Nénette dit fais pipi sur les plantes, tu économiseras de l'eau comme ça. Oh mon dieu. Mais j'ai un oncle qui disait le plus grand luxe de l'homme. C'est de pouvoir se soulager dans son propre jardin. En urine, hein, je parle. Mon dieu, quelle horreur. Bonjour, toi, Démétrius. Oh, je crois que je l'ai même pas rencontré dans la partie qu'on avait fait au livre. C'est ça, ouais, le truc de cadeau, Anthony, ouais. C'était très gentil de ta part. Ok, il est pas très bavard, le gars. Mais vous êtes ouvert, hein. 15h30, vous vendez quoi, les gars? Oh, un labo. Je peux aller là? Oh non, c'est privé. Sébastien. Oh, tu viens d'emménager, n'est-ce pas? Cool. Les gens ont l'air distants. Et bizarre. Bizarre. Enfin, je sais, par rapport à un inconnu, je comprends, mais quand même. Zaz et la blège. Ça, je peux marcher dessus, ouais, c'est un ponton. D'accord, ok. Bon, je retourne à la ferme parce que déjà, pour retrouver le chemin, hein, ça va être toute une histoire. L'heure qui tourne, et puis si je pouvais bêcher un peu, entretenir, ce serait pas une mauvaise chose. Oh, salut toi. Oh, c'est toi qui viens d'arriver. Dieu m'appelle Malou. J'avais hâte de faire ta connaissance. Mickey, Malou. A bientôt, Malou. Oh mon dieu. Oh non. 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 Je redoute ce jour. Olive sait pourquoi. Oh merde. Anniversaire de Vincent. Fête des œufs. Oh là là, oh là. Oh, deux anniversaires à la suite, l'horreur. On a une nez. Hey, tu rigoles en disant ça, mais... Ah oui, comme tu dis, il faut bêcher, ouais. Voilà, la faute de partir les mains vides.
Non, mais l'anniversaire du maire, souviens-toi, je veux faire un truc et j'avais découvert après que c'était un truc qu'il détestait. Donc j'avais vanné en disant heureusement que je l'ai pas demandé en mariage, quoi. Parce que j'avais tout faux. Oui, tu rigoles, Nainoné, mais mon copain avec son verger là cet été. Il a une plante qui s'est développée dans son carrément dans son compost, un pied de tomate. Enfin de bébé tomate là, les tomates cerises. Attends, là j'ai le cul d'une huître, j'arrive même plus à réfléchir. Une racine piquante. Waouh. Donc ça c'est un ingrédient, faut que je le garde. Ah ouais, c'est bien ça. Alors, bossons un peu avant que la nuit tombe. À la fraîche. Un crapaud. Alors attends. Et du coup, j'ai des chemins moi dans mon histoire là. Ouais, je m'étais fait avoir là. Voilà, je retrouve le fameux chemin. C'est cool. Non, c'est la fausse que j'utilise. Voilà, je fais un coup, plusieurs poucs. Voilà, il y a de ces trucs. Ah, cette bâtisse délabrée, là. Peu importe ce que c'était, c'est maintenant en ruine. Ouais, mais il faudrait peut-être reconstruire. Faudrait peut-être reconstruire. Oh mon dieu! L'ombre portée de l'oiseau qui m'a fait peur. Bon, bah ça va, j'ai pas mal bossé. Là, je vais avoir les graines à planter. Ah, je les ai pas arrosées celles-ci, je crois. Attends que je remplisse le truc. Merci. Nickel. Alors, un peu de tri. Bonjour, Twinsen. Je pense qu'à un moment, il sera opportun de faire un coffre dans la maison pour les objets nobles, les objets d'intérieur. Alors ma cam, elle est débranchée. Pourquoi? Parce que je suis encore malade. Et pour mon bien-être, mon confort, je suis plus assis, mais dans une position semi-allongée. En étant semi-allongé, ça casse complètement le cadre de ma webcam qui est montée sur perche. Ce qui fait que je suis contraint de la désactiver ce week-end, je suis désolé, pour que je reste semi-allongé et que je ne perde pas trop d'énergie. D'ailleurs, tu me fais penser, je profite de cette pause
pour me chercher un biscuit là, parce que j'ai toujours rien mangé, c'est pas bien. Il faut que je reprenne de... Ouais, c'est un peu ça dans l'idée, Tuncel. Ouais, c'est un peu ça. Mais hier, j'ai fait comme un chat. Hein. J'ai passé ma journée à dormir. Hein. J'avais plus d'énergie, j'étais trop souffrant. Et je devais être en repos absolu. Là, même là, quand je me lève, j'ai mal à certaines vertèbres. C'est bizarre. Attendez, je vais me chercher un paquet de biscuits, je reviens. Ah la vache, oui, ça fait mal. Oh, excusez-moi, mais ça fait bobo. Alors, la météo pour demain dans le jeu. Ils disent quoi? Oh, génial, j'aurais pas arrosé. Bah ouais, en même temps. Et alors, tu rigoles en disant c'est l'âge, mais... l'été qu'on a passé, moi j'ai pris un coup de vieux. Hein. Mais c'était sûr. Moi qui supporte pas la chaleur. Je l'ai déjà dit. Deux trucs auront ma peau. Le monde du travail et le réchauffement climatique. C'est triste à dire, mais ça se résume à ça. Non, non, moi je suis persuadé que je suis sorti esquinté de cet été. Il faisait beaucoup trop chaud continuellement et ça m'a claqué. C'est ça, Papine Nancy, exactement. On entend la flotte. Oula! Pas un temps à bosser là. Je vais aller faire des rencontres en ville. Ah. Quoi, j'ai une envie folle de Joja Cola. Sébastien. 75 plus haut la livraison, c'est un sens comme ça. Ah. Oh ouais, je jacole là. C'est dégueulasse. J'ai pas de bol. Reste au bar, saloon. Rex. Bah. Le chien est mort. Oh là là. Attends, mais c'est pollué par ici. Non, je peux rien faire. Sérieux? Ah, le cimetière.
Oh, c'est beau. Les négos. Sérieux, je peux y aller aux égouts? La porte est verrouillée. Oh, sépulture. Mona. Ah, c'est un dialecte que je ne connais pas. C'est vieux et à moitié effacé. Et là, il se passe rien. Attends, le dialecte, c'est pas un truc écrit à l'envers. Non, ça veut rien dire. Oh, c'est crypté, là. Ah, c'est le mec de la pêche. C'est Wally. Oui, merci, AJ. Ouais, ils vont faire la vigilance électricité. Ouais, c'est pas mal. Normalement, il y a une application web. Moi, c'est l'application web qui m'intéresse. Pour savoir s'il coupe ou pas. Avec la télécharge. Mais merci, AJ, tu fais bien. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait du 109 au village. Ravi de faire ta connaissance. Ah, j'essaie de me détendre un peu après avoir passé un mois en mer. C'était un long voyage. J'ai vendu beaucoup de bons poissons. J'ai enfin assez économisé pour m'acheter une nouvelle canne à pêche. Tiens, je veux que tu prennes ma vieille canne à pêche. C'est important pour moi que l'art de la pêche reste en vie. Et puis peut-être que tu achèteras quelque chose dans mon magasin de temps en temps. Ah ah! Un malin. La canne à pêche en bambou. Il y a des bons points de pêche ici dans la vallée. Toutes sortes de poissons à attraper. Ah oui, ma boutique est ouverte. Passe donc me voir un de ces jours si tu as besoin de ma pousse de pêche. J'achèterai aussi tous les poissons que tu attrapes. La mer. Ah, c'est ça son magasin. Ah, petit malin. Les supellettes 8. Canne à pêche apprenti. Ah. Oh. Oh. J'aime bien le côté Valérie D'Amido. Le fait qu'on puisse faire sa déco. Y a sur les quais. Ah, encore une statue à la Pokémon. Tiens, tiens. Non mais ça fait trash de voir ça, t'as l'impression qu'il y a eu une compète de surf et qu'un tsunami est arrivé là, ça fait désordre. Ah, fou les jetons de voir ça. Non, je comprends pas. Amis de Elliot. Trop étrange. Avec 300 morceaux de bois, ça pourrait être réparé.
Oh! 300? La vache, c'est énorme! Ah, je pensais que je pouvais, mais même pas. En fait, c'est parce que c'est pas ma propriété, faut pas abuser non plus. Ah, il y a des trucs intéressants qui se dessinent là. Au niveau des quêtes et tout le bazar. Fermé jusqu'à l'été. Oh. C'est la bibliothèque ça. Ah non, archéologie. Oh. Il manque un livre ici. Mais comment il le sait? C'est un des fous. Oh là là, monsieur le dandy. Gunther, Boyul, bienvenue au bureau archéologique de Stadou Valley. Oh, c'est très embarrassant, mais le conservateur précédent est parti avec toute la collection. Nous n'avons plus d'œuvres à présenter. Oh, c'est dégueulasse. Il part avec les meubles. Mais j'espère y remédier bientôt. Hey, si tu trouves des artefacts ou des minéraux, tu viendras me le dire. Ah oui, c'est ce que tu faisais, Olive, quand j'avais des géodes avec du matos. Ok, c'est là que ça se passe. Oh, Penny. Oh, salut, je m'appelle Penny. C'est quoi ça? C'est un lambeau, mais ça a toujours du charme. Une étrange peluche. Oula. Bah, c'est bizarre. Cet endroit est vraiment étrange. Ah, c'est parce que c'est une table de présentation de tête. Le gouvernement jeune nous sortit pas notre Covid. Maintenant, il gère notre façon d'utiliser le courant chez nous. Demain, il va nous dire comme être comme slip. Qui sait? À savoir. T'imagines une allocution du président? Aujourd'hui, ce sera caleçon. Oh mon dieu. Mais la souche là par exemple, je peux. Non, parce que je suis pas chez moi, j'ai pas le droit. Ok. Ah, je suis chez qui? Boutique. Oh la vache! Ah ouais! Sympa le mec! Et ça, c'est une forge en fait. Ah ouais, on y voit du métal bouillonnant dedans. Il est fort le mec. La note sur le mug, je peux la lire. Il y a toute une pile de plans de fabrication de métaux. Ah oui, non, je connais pas. Waouh. Ah oui, il y a la machine qui carbure dehors à donf. Ah, mais il a un truc de mine. Hors service. Ah bah, décidément. Ah oui, je peux pas y aller. Alors attends, je sais plus là j'y suis allé ou pas. Du tout. Ah oui, mais là je suis chez quelqu'un, là c'est privé là. Ah non, c'est pas privé. Bah c'est bizarre. Ça présente comme une baraque privée et il y a des trucs objets du. Mais c'est très bizarre. Journal des mariages payé après le mariage, vous pouvez déposer ici les demandes de divorce. Oh. Espérons que ce soit pas nécessaire. Bah bravo.
Comptable. Il semblerait que la mère l'utilise pour garder une trace de ses finances. Oui, mais c'est bien. C'est très très bizarre. C'est vrai, le château du maire contient du lait et du thé glacé. Ah, c'est le manoir du maire, d'accord. Ah. Ah ouais, non, c'est bizarre. Un ensemble de thé traditionnel. Le maire doit prendre le thé très au sérieux. Mais d'accord, c'est la villa du maire. Merde, attendez. Je suis... Non, je suis pas aux égouts ni au cimetière. Oula, faut rater la déconnade. Ah non, le manoir du maire, il est à côté. Bah, je suis entre les égouts et le cimetière. Trop bizarre. Ne me dis pas que c'est la mairie. Mais non, c'est trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Pas causer? Non, elle veut pas causer. Bon, bah, je vais pas la déranger davantage. Ah, elle a du monde. Alex. Oh, le beau gosse. Oh, salut. C'est toi le nouveau, n'est-ce pas? Cool. Cool. Allons, Humbert. Waouh. Il est grand, ce bar. Oh, magnifique. Oh chic, il y a des bandes d'arcade. Aventure du roi de la prairie. What? Oh mon dieu! Bing bing! Ah non, faut que je les ai par le dessus. Salopio, vous m'aurez pas. Non! Mais c'est magnifique! Ah! Non, vous m'arrêtez pas. Non, vache. Wow, ils sont trop... Non, mais arrêtez! Je suis déjà au niveau 80, là. Non, mais oh, t'as vu la horde, toi? Oh, 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 oh! Mais non, j'ai mis une grosse étoile de shérif. Ah, c'est bien le manoir du maire, mais en fait, la carte est pas précise. Ok. Oula. Non mais c'est dur. C'est vraiment délirant. Merde. L'autre je parle lui faire un bisou, n'importe quoi. Non non on va arrêter, c'est horrible. Je sais pas jouer. Je prenais l'autre une autre fois. Ah qui c'est qui voulait du Joja Cola? Salut Sam. Non mais c'est plein de beaux gosses par ici. Oui, bah j'en prends juste une pour l'offrir à je sais plus qui, là. Histoire de faire copain-copain. Oh, billard, j'adorerais que quelqu'un joue au billard avec moi. On a le droit d'y aller, là? Ah, c'est les réserves de... Salut, toi. Shane. Ce temps de me tuer. Hervé, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Je m'appelle Hervé, je suis le médecin du village. Ah, c'est... Willy. Oh, les... c'est agréable de voir des jeunes gens s'affaire dans la vallée. Ce n'est pas très courant ces temps-ci. Ouais, bah ouais. Oh! 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 Ah, la recette! La recette pour faire du pain, ce serait bien. Je veux bien l'apprendre. Ouais, c'est pas con. Ah, Pam. Ah, c'est la vilaine. Salut, je m'appelle Pam. Ouais, elle est sèche, elle. Oh, merde. Je veux pas aller sur mon billet. Léa. Salut, c'est sympa de faire ta connaissance. Ça, c'est Mini. Oh. Je peux le voir sur ton visage, tu vas adorer qu'il est en ville.
Si tu cherches quelque chose à faire le soir, passe donc au saloon, c'est là que je travaille. Bon, ça fait plaisir de voir des personnes en jouer. Alors, du jauge à cola, tu peux en pêcher dans plein de plans d'eau où il n'y a pas de poisson. Ah bon? Ah oui, c'est bizarre. Pêcher du soda? La vache. Va la pollution. Attends, il faut que j'essaie de retrouver le chemin de ma ferme. Ah, c'est au-dessus. Ok. Ah, les recettes, il suffit de les consulter à la télé d'une émission de cuisine. D'accord. J'allais dire, je suis en train de réfléchir à tout sur la plage. Je les garde ou je les vends? Je vais peut-être les garder, je vais peut-être en faire un beau collier ou je sais pas quoi. Oui, la pêche m'intrigue, il faudrait que je pêche un de ces jours. Mmh. Claire en série toute la journée. Vous regardez Cosu, la chaîne de télé qui vous cause. Mais non! Je voulais m'asseoir sur le siège, pas prendre le bol. Merci. Voilà. C'est pas demain qu'ils vont m'offrir l'animal de compagnie là. Ah, faut que je boive un coup. Attendez, pause. Comment on fait pause? Non, mais. Attends. Ça y est, j'ai fait une bêtise. Ah merde! Ça, alors, ça, c'est un truc à la Microsoft qui me les brise. La Xbox Bar, je la veux plus. Comment je fais pour la virer? J'ai pas de compte, je suis pas pro Microsoft. Moi. Oh là 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 là. Je peux même pas me débarrasser du truc, bravo. Non mais je m'en fous. Aïe. Comment je me débarrasse de ça? Oui, c'est ça, c'est la X-Crot Bar, exactement. Merci. Ça avait cassé mon contrôle. Oui, merci Olive. Ah, j'ai pas vu la phrase de tu te sèmes, tu veux un drogue. Non, je veux une panacée. Chantonner un morceau de musique de la TS. Ah bon? J'en suis même pas rendu. Ah oui, il y a des trucs de collection de fou. Oh là là. Pourquoi il y a des cœurs à fond et des... C'est beau, ça. Oh là là, il y en a du monde.
vache, il y a une grosse vingtaine de personnes. Ok, je suis nul en tout, magnifique. Hic. Un peu dans le jardin. Allez, on passe à un autre outil. Oh, ça y est, ma première géode. D'accord, faudrait que je les collectionne. Juste là, je peux le déboîter. Il n'y a rien dans la grotte, je crois. Ouais, ça pourrait peut-être servir plus tard. Ouais, c'est ce qu'il disait. Merci, Olivier. MB, ça bosse.
Ah oui, c'est l'hôtel du grand-père là qui dit dans 3 ans je reviens. Attends mon retour à l'aube de la troisième année. Ouais. Là je l'avais oublié cette main. Oui, ok Olive. Ouais, la grotte me servira plus tard. Manger un morceau si je me dopais, mais là c'est pas la peine. Oui, je sais, je suis en PLS. Alors l'info c'était Abigail. Ah oui c'est vrai, j'ai entendu dire que quelqu'un allait aménager dans cette ancienne ferme. Caroline, bonjour, tu dois te passer le nouveau fermier. Ah merde, du coup j'ai oublié qui voulait du coca. Oh, 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 oh. Alors lui c'est le prince à Choco BN. Oh la vache, comment qu'il se la pète. Ah le bravo. Ah le, j'adore le dessin du gars. Oh. Lui, il mérite d'avoir sa tronche étalée sur les cartes de jeu, là. Je suis le roi de cœur. Ah, ah. Ah non, énorme. Ah, le nouveau fermier que nous attendions tous et dont l'arrivée a suscité de nombreuses discussions. Oh là là. Oh l'hôte, comment qu'il se la pète. Je m'appelle Elliot, je vis dans la petite cabane près de la plage. C'est comme charmant dans Shrek 2, oui, probablement. Jolie petite cabane près de la plage, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Bon, au moins, il est sympa, le mec. À vendre. Ah oui, j'avais oublié. Pas maintenant. C'est vrai, de l'intérêt d'acheter du... une extension de... d'inventaire. Ah oui, là, là pour faire un giga potager. Non mais c'est ça qu'il faut que je fasse en plus. C'est un giga potager. Pour que je me fasse du fric. Ah, quand il m'a donné, je sais plus, 15 ou 25, ils ont quasiment claqué 500 boules pour moi. C'est gentil.
Ah, mais je suis épuisé, merde. Ouais, le prochain nom de Shrek, ok. Oh non, allez, faut que je reste dans le village, Blur. Oh, allez. Oh, tu es le nouveau fermier, n'est-ce pas? Et là, je tourne autour. Auprès de ma blonde. Bon, bref. Ça ne fait rire que moi. Ah. Oh, elle est bizarre, cette place. Oh, qui fout sur le banc? Bah alors, ma grande, qu'as-tu fait toute seule? Penny, nous avons beaucoup de chance d'avoir une bibliothèque dans une si petite ville. Oui. Fais-lui un bisou. Ça y est, je sens que ça va partir à la dérive. Ah, oh, mon Dieu. Yeah, viens de la garonne. J'ai attendu cette boisson toute l'après-midi. Ouais. Ah bon. Ah Gus, je peux lui parler. Bien le bonjour, je m'appelle Gus, chef de cuisine et propriétaire du salon du fou étoilé. Oh. J'espère que tu fais de l'agriculture durable. L'écosystème de la vallée est fragile. Tu m'étonnes. Alors elle, elle a l'air maligne, la fille aux cheveux bleus. Là. Elle me plaît bien. Fais aussi un bisou à la moche. Qui est bête. Qui est bête. Oh là là. Putain, il est doué le cuistot. Et lui, toujours pareil. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille. Oh. Pas sociable, ce mec. Bon, lui, j'avais déjà parlé. Encore que. Commence à faire chaud, je me sens en pleine forme. Ah, tant mieux pour lui. Oh, mais c'est le papy qui regarde sa télé, Georges. De devoir rencontrer tout un tas de nouvelles personnes, n'est-ce pas? Moi, c'est Georges, au fait. Maintenant, fiche le camp. Oh. Bon, c'est vrai que je suis rentré chez lui, mais quand même. Et la madame, elle dit quoi? Evelyne, bonjour et bienvenue dans notre petite communauté. Tu peux m'appeler mamie si tu veux. Ah, lui c'est le fiston. Qui dit plus rien, il boude. Il est en PLS. Mais qu'est-ce qui est devenu de Rex? Rex a disparu. Il y a des choses étranges par ici. Non, qui a osé jeter un sashimi à la poubelle? C'est un scandale. C'est un scandale et je le bouffe. Ouais. Et là, intoxication, je meurs. Bleh. Le truc était pas frais. Ah bah du coup, avec mon énergie, je vais aller planter mes... Oh la classe! T'as dégoté la Dodge Viper. Trop la chance. J'ai même plus assez d'emplacement, il faut que je bêche davantage. Ah oui, complètement. On va me dégoter la Dodge Viper, c'est la classe. D'ailleurs, le préfixe 0, je sais plus ce que j'avais déclaré en opus numéro 0 de Gran Turismo, ça va être le spécial... Tokyo-Genève avec les protos. Ah, plaisir d'être chez soi. Je sens qu'il y a des programmes qui vont me plaire.
La diseuse de bonne aventure. Regardez l'oracle Wellwick. Si vous voulez en connaître plus sur votre avenir, vous êtes au bon endroit. Les esprits sont un peu perturbés aujourd'hui, la chance ne sera pas de votre côté. Oh merde. Allez, bulletin météo. Nanana, émission, météorologie, information, divertissement. Demain il fera beau, ce sera une journée ensoleillée. Ok. Et l'autre, elle dit quoi, là, de vivre à la ferme? Vivre à la ferme. Nous sommes de retour avec une nouvelle astuce. Écoutez bien. Guide spécial pour les habitants, c'est un nouvel aller. Cherchez des oignons de printemps au sud-ouest du village, où la rivière rejoint la mer. Vous pouvez parfois en trouver tout un tas qui pousse hors de la terre. Au sud-ouest? Oh la vache. Merde! J'allais dire, j'ai dormi sans éteindre le feu de cheminée. Il est fou le mec. Une petite bombe. Non mais... L'impression que c'est... Le jeu du petit Corse. Comète au premier délit attentat en... Ça fait bizarre. Sans déconner, je trouve que ça fait vachement malsain. Le premier truc que tu déverrouilles dans tes compétences, c'est fabriquer une bombe. Ça me met mal à l'aise, sans déconner. Aïe, 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 aïe. Ah merde, j'ai donné cure. Voilà. À nos chers clients du marché Joja, les membres de notre équipe ont dégagé le glissement de terrain provoqué par notre opération de forage près du lac de montagne. Je tiens à vous rappeler que notre opération de forage est tout à fait légale, suivant l'amendement Joja. La gestion responsable de l'environnement est notre priorité. Nous sommes désolés des désagréments que cela a pu vous occasionner. Comme toujours, votre soutien continuel et votre bien-être sont importants pour nous. Maurice, responsable de la satisfaction de la clientèle chez Georgia. Oui, c'est ça, où est Karine le marchand, oui. Bonjour, Demi l'Olive. Elle est bien bonne. Merde, je sais plus à quel jour je suis du truc. Je peux les cueillir ou pas? De toute façon, tu nous arroses alors. Autant que j'arrose. Avoir fait en vrai cet été, arroser un potager, ça bouffe de l'énergie, c'est vrai. Mais à ce point, faut pas déconner. Moi, tu me dis que j'ai déjà bouffé presque un quart de mon énergie. Oh, les papillons sont magnifiques. Alors, qui que quoi? Oh, oh, la télé disait... Hein? La tour du sorcier. Maison en ruine. Tuyau des égouts. Oh là, mais il est trop bizarre. Ah oui, c'est là qu'il y a les trucs mûches. Ouais, mais il faut faire le pont, ouais. Ouais, non, ça m'a l'air trop compliqué. Ça la rosure d'un mètre cube. Du coup j'ai presque fait mon activité principale de la journée, voilà, j'ai fait mon potager. Ah bah je suis condamné à faire du social. Alors attends, j'avais des quêtes qui étaient en cours. Non, c'était pas ça. Comment j'ai fait pour avoir les quêtes tout à l'heure? Ah, c'est ça.
Nanana, présentation. Ah, 20 sur 28, dis donc. J'ai fait vachement mieux qu'avant. Visiblement, je joue mieux. Oh la vache, il y en a des trucs à récolter. Ça, ça vaut le coup de se promener. Et le mec, il se barre à pied. Oula, faut que je continue à manger un morceau, moi. Oh, salut! Quelle horreur! C'est le centre communautaire de Pélicanville, ou plutôt ce qu'il en reste. C'était la fierté et la joie de cette ville. C'était toujours très animé ici. Regardez-moi ça, c'est honteux. Ces derniers temps, les jeunes préfèrent s'asseoir devant la télé que de faire partie de la communauté. Mais écoutez-moi, on dirait un vieux gâteau. Georgia Corporation m'a harcelé pour leur vendre le terrain afin qu'ils puissent le transformer en entrepôt. Pélicanville a besoin d'argent. Cependant, je n'arrive pas à le vendre. Les vieux comme moi s'attachent aux reliques du passé. Enfin, si quelqu'un d'autre devient membre chez... Quoi ? Mais devient membre chez Joja, je le vendrai. Tout pire. Allons voir à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Vincent et Jas ont dû venir jouer ici. Cet endroit est encore plus délabré que dans mes souvenirs. Quoi? Quel est le problème? Vous êtes malade? Oui, moi oui. Avez-vous vu quelque chose? Je ne serais pas surpris si cet endroit était infesté de rats. Vous m'inquiétez, Marcel. Écoutez, je vais rentrer chez moi, j'ai besoin d'un bon repas. Je vais laisser cet endroit ouvert à partir de maintenant. Vous pourriez essayer d'attraper ce rat si vous en avez le temps. Oui, sauf que j'appelle pas ça un rat, mais bon. Ah, ça pourrait être étrange. Alors, je pourrais revenir plus tard explorer davantage l'endroit. C'est même plus grand qu'il n'y paraît. Attends, comment je défonce? Comment veux-tu que je retape la baraque, moi? Jadis, il y avait des infos ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attendez, mais la baraque elle est énorme en fait. Alors, il faut que j'accepte le concept Pokémon. C'est-à-dire que la baraque en extérieur elle fait petite, mais elle est immense à l'intérieur. C'est pas proportionné. Ou proportionnel. C'était une banque? Qu'est-ce que c'est que ce gouffre fort?
Oui, c'est vraiment bizarre. Je clique hein, en même temps. J'essaie d'interagir avec les objets, mais il se passe à rien. Et ça, je peux pas le... Je peux pas commencer à entretenir le truc. Wow. Wow. Il y a un arbre derrière, en arrière-plan. Oh là 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 là, les énigmes. Les énigmes. Alors si c'est du bon français, il faut déjà regarder les groupes de deux caractères qui sont généralement des articles, le, la, deux, tout comme ça. Et par déduction, remplacé par le bon caractère. Intriguant. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oh la vache. Stardew Valley, c'est mystère. D'anchois. Alors Caro veut des anchois. Ah, je vais peut-être pêcher un peu. Lesquels. Merde, j'ai pas ma canne à pêche qui est con. Je range mon butin. Hop là. Mais hé, la pêche, je peux pas y aller par le bas de ma propriété là, il y avait un chemin vers le bas. Oh, oh là là, le bordel dans la propriété. Là, le chemin là, je peux... Ah ouais, je peux peut-être pêcher dans mon propre bassin. Ok. Non, j'ai pas compris. Attends, j'ai peut-être cherché un milieu aquatique large, ouvert. Parce qu'un bassin, c'est peut-être pas très malin. Attends, le bois là, j'ai le droit de le prendre là ? Parce que ça va au-delà de ma propriété définie. Ah, bonjour, Ironster. Bah moi, malheureusement, je suis malade. Donc là, je suis quand même en état de diffuser. Mais alors hier, j'ai fait comme un chat, j'ai passé ma journée à dormir tellement que j'étais mort. Mais sinon, ça va, merci et toi ? Merci, bien de passer faire un coucou. Ah, c'est le lancer, je suis pas resté appuyé trop long, assez longtemps. Attends, j'ai pas compris là. Je sens qu'il y en a une qui va pas avoir son hareng du tout. Non, j'ai pas compris le système de la pêche là. Ah là, je suis de la mouise. Ah non, ça c'est un curseur. Mmh.
Bah alors? Il se passe rien. Ah. Oh. Ah la vache, c'est dur, merde. Oh la vache. Poisson lune, ah merde. Mais c'est bien, c'est déjà... Ah d'accord. C'est petit mon kiki. Ah, j'ai merdé. Attends, je vais aller un peu plus loin. Ouais, bah oui, quand tu maîtrises, oui, je pense bien que c'est sympa. Hein. Ouais, c'est mon dernier poisson, après je rentre à la ferme. Non mais la malheureuse, elle aura pas son hareng. Ça c'est dur! Ah la vache! C'est vachement bien fait! Ah merde! Ah la vache! Excellent! Ah oui, tu m'avais dit de bêcher les... Ok. Alors, les mélanges de graines, je les fais ici. Tout ce qui est méli-mélo, là. Nickel. Et ça, on est d'accord, je récolte pas pour le moment. Non. C'est pas encore prêt. Alors le poisson, est-ce que je saurais me le préparer? Bizarre. Non, je pense que je vais mettre le poisson en vente. Encore que... Non, si je suis faible à un moment donné, non, je vais peut-être garder mon poisson. Alors, est-ce qu'il y a la notion de... Est-ce qu'il y a la notion de périmé, là? Ah merde, j'ai quasiment plus d'eau. Attendez, merde, faut que je fasse pause. Oh, bonjour Bastos. Comment vas-tu?
Ah, je suis bien content de te voir. Oh! Ah merde, il me bouffe mes... Ah oui, il faut que je fasse un éventail. Un épouvantail. Un éventail. Un épouvantail. Merde, je sais pas comment faire un épouvantail. Ah, je savais dans la partie précédente. Mes sources me disent que tu traînes dans l'ancien centre communautaire. Pourquoi ne viendrais-tu pas me rendre visite? J'habite à l'ouest du lac de la forêt dans la tour de pierre. J'ai peut-être des informations concernant ton problème de rat. Oh, Rasmodius, dit le sorcier. Ça va bien, merci, cette pause des réseaux a fait du bien. Ah ouais? Bah c'est cool. Bah moi je suis malade. C'est pour ça que je mets pas de webcam. Et hier j'ai pas diffusé, j'ai fait comme un chat, j'ai passé ma journée à dormir. Je suis mais alors épuisé comme c'est pas permis. Mais ce qui m'a mis en PLS, je pense, c'est la clim d'un bâtiment. Je supporte pas les climatisations dans les structures. Et j'ai passé une soirée en semaine dans un bâtiment climatisé, ça m'a flingué. Je vais peut-être traîner un petit truc aussi en même temps avec le changement de saison du bon au mauvais. Mais de la bonne vers la mauvaise saison. Mais le... Il y a trop de trucs à lire. Et ça m'a achevé quoi. Ouais bah c'est ce que je fais. D'ailleurs c'est pour ça que vous voyez pas ma tronche. Parce que là au lieu d'être assis, je suis en position semi-allongée. Ce qui casse le cadre de ma photo. De ma webcam, c'est pour ça que je la mets pas. En plus c'est pas très charmant si je me mets ma tronche alors que je suis grimaçant de douleur. Ça la fout mal. Ah, il faut que j'atteigne le niveau 1 en agriculture pour avoir un épouvantail, d'accord. Robin, la menuisière locale vit au nord du village en échange de brut, un peu d'or et construire un nouveau bâtiment dans la ferme. Vous aurez besoin d'elle pour faire un poulailler, une grange, pour élever des animaux. Ok. Rencontrez le sorcier, vous avez reçu une lettre du sorcier local. Il prétend tenir des infos sur nos 500 communautaires. Entrez dans la tour du sorcier. Allez vous faire dire, ma raboutée. C'est trop délirant ce jeu. Mais il m'a l'air bien écrit, hein, Stardew Valley, là. Il y a de quoi se faire un... D'un point de vue littéraire, il y a l'air d'avoir un suspense, le truc du genre... J'irai pas les feux de l'amour, mais pas loin, quoi. Et oui, dans l'épisode précédent, Caroline n'avait pas eu son avant. Dégoûtée de pas avoir été livrée, elle a vu des machins tout mouches. A eu un accident de voiture et n'a pas pu aller bosser. Oh, la récolte elle est bonne. Ah, c'est pas les graines, c'est le miam. Ah oui, mais oui, je suis bête. Faut que je le mette en vente. Oh là là. Mais quel crétin je fais. Ouais, mes premiers sous, mon premier salaire. C'est la teuf. C'est la teuf. Attends, je vais prendre un casse-croûte sur moi, on sait jamais si j'ai un creux. Alors, je veux bien commencer ma journée et aller voir le sorcier. La tôle des sorciers. Comment on y va? À mon avis, c'est en allant vers le bas de mon patelin. De mon exploitation. La 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 la. D'ailleurs, je vais peut-être faire exprès de laisser un peu comme ça et voir l'intelligence du jeu s'il refait pousser des hautes herbes. La logique voudrait que oui. Par rapport à la cohérence de l'action. On va voir le sorcier.
Ouais, ça fait ancien chemin, ça. Oh, c'est quoi ce quai? Ah, faut que je le retienne, celui-là, pour la pêche. Attends, je suis où par rapport à la carte? Ah, bah, je suis en bonne voie, là. Ah oui, elle est là, ça court, le mec. Te voilà, grand sorcier. Je viens te voir. Journal mis à jour. Bah, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai voulu aller dans les quêtes, il m'a fait sauter une scène. Merde, j'espère que j'ai pas fait sauter des dialogues. Oh merde. Ah oui, j'avais prédit ton arrivée depuis longtemps, jeune Marcel. Merde! Ah oui, non. Cependant, ton destin est entre tes mains. Ah, oh, j'espère que j'ai pas flingué l'intro du sorcier, j'en ai bien l'impression. Merde, je voulais aller dans le menu et ça a fait sauter le truc. Dernier jour de Anchois. Ah. Ah, elle veut bien encore de l'anchois. Bon, ça va, c'est sur plusieurs jours. Oula. Oula. Je présume que c'est pas de l'encens, ça, monsieur le sorcier. Allez, je m'invite chez toi. Oh! Cette bibliothèque. Ce savoir. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a que ceux en qui j'ai confiance qui ont le droit d'entrer ici. Excusez-moi, monsieur. Bon, j'espère que j'ai pas cassé le jeu. J'ai eu le malheur d'appuyer au mauvais moment. Alors, l'anchois de Caroline, là. On va y arriver. Bonjour tout le monde, j'espère que le sage tu vas mieux. Bonjour Fanfan. Oh merci, t'as renouvelé ton abonnement. Bah oui, si je diffuse, tu vois, c'est que je récupère, mais je suis encore bien claqué. Ah, je suis mauvais à la pêche. Ah, c'est quand il y a le blou-blou. Attention. Un archigan. Non mais je sens que sa quête, ça va tomber à l'eau. Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci, merci et bisous. Merci et bisous. Merci. Ah. Oh la vache, c'est dur.
Voilà, j'ai qu'à le laisser. Putain, le duel le plus long au poisson, là, c'est un truc de fou. Oui! Oh, il y a des archigans. Ah non, mais non, mais non, je vais pas le jeter. Ah, j'ai plus de place dans l'inventaire. Oh là 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 là. Ouais, bah tant pis, je jette la... les herbes. Ah, attends. Pourquoi j'ai un poisson qui se distingue d'un autre? Lui, visiblement, il est... c'est un plus beau spécimen que l'autre. C'est dingue, ça. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je suis en train de me dire, j'ai pas reçu ma thune, moi. C'est bizarre, personne n'est venu acheter mon... Oh mon dieu. Je vais faire faillite. Mais non, mais non, mais non, pas la canne à pêche, abruti. Alors j'ai pas l'air idiot moi parce que le coup du sorcier j'ai fait sauter le dialogue bien malgré moi et du coup j'ai rien compris à l'histoire de... Oh là 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 là, la taille des hautes herbes. Oh la vache. Et venir, bah oui, elle est pas assez puissante la pioche, ouais. Allez, il me faut un marteau piqueur là pour un morceau pareil. Oh, oh là là, c'est quoi toute cette roche? Et puis le gugus que j'incarne qui va être défoncé. Vu l'énergie que ça demande.
Oui, je commence à être en PLS, je sais. Ah, attends, j'ai de la... Ah oui, mélange de graines. Je ne résiste pas à l'idée de planter mon mélange de graines. Merci. Attends, je sais plus. Non, ne me dis pas que j'ai pas arrosé. Ah merde! Ah mais merde! J'ai oublié d'arroser! Oula! Oulala! J'ai un petit souci stratégique là! Oulala! Un petit crasse-croûte! Oh! Tu parles, le peu d'énergie que je retrouve! Oh le con, j'ai oublié d'arroser. Et je vois que dalle. C'est pas vrai. Faut que je prenne un autre truc à miam pour m'en sortir. Poireau. Non. Voilà, je suis dopé au poireau. C'était pas beau ça. Oh la vache de nuit, vas-y quoi. Non! Oui. Je crois que j'ai arrosé partout, du moins je l'espère. Voilà, j'espère que j'ai juste... Ah ouais, non, mais le mec, il est mort, il est déjà minuit. Je regarde même pas la météo. Ah, je peux faire un épouvantail. Avec en plus engrais de base. C'est bon, ça. Et B. Oh, c'est le jour de l'anniversaire du maire. Et merde. Mais oui, mais j'ai déjà lu ça. Ah, je peux dire abandonner la quête, ok. Ah, j'ai reçu de la thune en cadeau, d'accord, ok. Comme ça que je vais me passer. C'est Robin. Oh, la Vinley ne dit même pas bonjour. Je sais qu'il y a beaucoup de pierres éparpillées autour de ta ferme. Je confirme. Si tu en as trop, je peux éventuellement te construire un puits. Tu peux disposer des puits tout autour de ta ferme. C'est pratique pour remplir ton arrosoir. Passe à ma boutique avec 75 pierres et 1000 pièces d'or. Si tu décides, tu te décides à franchir le pas. Signé Robin. C'est une maline. Oh, je vais dans la thune. Mon premier salaire, c'était pas beau. Ça pousse, ça pousse. Bon, moi, il faut que j'aille chez le marchand
reprendre des graines. Bah, j'ai acheté les graines peut-être un peu tôt là, 6h du mat, j'aurais peut-être dû démarrer avec l'arrosoir. Sinon il va me dire le magasin est fermé. Ah oui, c'est son anniversaire, oh là là. C'est ça, alors c'était sûr. Oui, boire un coup, oui, je bois de temps en temps aussi. Ah, je vous avoue que même dans les phases où j'ai pas parlé, j'essaie de coquer un ou deux biscuits. Histoire de récupérer de l'énergie. Lentement mais sûrement. Non, je viens d'arroser la caisse. N'importe quoi. Alors, un cadeau pour monsieur le maire. Je vais lui offrir ma palourde, allez hop. Pour l'accrocher dans sa belle baraque. J'espère qu'il va aimer son cadeau. Parce que la partie précédente où il m'a fait la gueule. Ah là 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 là. Il a raison, le centre communautaire. Faudra que j'y aille jeter un œil. Alors merde, je sais déjà plus où est la supérette du village. Elle est là. Ça y est, elle est ouverte. Officiel. Je me mets graine. Salut. D'ailleurs, je suis pas passé à travers le comptoir lui dire bonjour. Pierre. Soupir. J'ai le boost de rester derrière le comptoir. Un jour, quelqu'un te remplacera, gars. Je veux faire dans le panier. Voilà, je me suis ruiné en graines de panais. La 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 la. Le mec il est tellement fier à bout de bras et court dans le village. Ah, j'ai mes graines. Je vais faire ma production pour la joie. Alors je fais ma culture et après on revient au centre communautaire. Là on va voir ce qu'il en est. Avec le truc que j'ai loupé avec le sorcier là malheureusement. Oula, il va falloir que j'élargisse mon champ. Je me rajoute une rangée. Encore.
Oh la vache. La gymnastique a tout arrosé. Une bonne chose de fait. Oh non, je sais pas. Je sais pas d'où est la pêche, mais ça viendra. Alors, le centre communautaire là. Il était où déjà? Faut que je mémorise la géographie de la ville. Forêt inexploitée. Voilà, le centre communautaire, il est là-bas. Ouais. J'ai l'impression qu'à la fin, le mec, ça va être vraiment le super-héros dans le village. Il va résoudre tous les pépins à lui tout seul. Qu'est-ce qu'il faut près de l'arbre, lui? Il va nous chanter du Brassens auprès de mon arbre. Je me sens heureux, là. Moi, je peux rien faire avec lui. Pas de dialogue. Je sais ce qu'il fait. C'est mon anniversaire, c'est affiché sur le panneau de la ville. J'attends comme un clampin devant l'arbre dans la propre place pour qu'un tour de rôle tous les habitants me donnent un cadeau. On te connaît que trop bien. Oh, j'avais pas vu le parc de jeux pour les gosses. Tiens, c'est relax. Allez, ma soeur est tellement bizarre. Parfois, je me demande si nous sommes vraiment de la même famille. Alors, t'as la musique qui devient angoissante. Quoi? Ah, il m'a permis de traduire le bordel. Paquet cueillette de printemps. Paquet cueillette exotique. Cueillette hiver. Cueillette été. Cueillette d'automne. Paquet de construction. Récompense. Réparation du pont. Bonjour Christella. Merci, bon dimanche à toi aussi. Bisous tout plein. Ah, il faut faire des offrandes. D'accord. Ah, en fonction des saisons. D'accord. Oh la vache. Ouais, pas évident. Merde, j'arrose n'importe quoi, moi. J'arrose les bûches de bois. D'accord, il faut faire des offrandes. Il faut s'organiser complètement pour refaire cet endroit. Ok. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, elle? Ah, Caro! Aujourd'hui, je veux simplement me détendre et penser positivement, oui. Alors, ce régime d'anchois, comment il se passe? Un pauvre. Ah, une nouvelle raquette. Eh, le petit gosse, je le connais pas, Vincent. Pauvre gamin. Ça va être son anniversaire, je le connais même pas. C'est triste. Ça sera qui, touriste? Bonjour, Moselle.
jeudi. Je profite de cette journée pour me détendre. T'as bien raison, ma grande. Rien d'autre à raconter? Si je passe pas un peu de temps dehors, je deviens folle. Ouais, ouais, surtout qu'il fait bon, profite. T'as bien raison. Hey! Sacré Alex. Ah! Oh! Il y a mamie qui est sortie. J'aime être proche de la mer. Les bruits des vagues m'aident à m'endormir. Ah, c'est pas con ça. Et puis l'air iodé, c'est bon pour la santé. Pas pour les objets, surtout en métal. Mais pour la santé, ouais, c'est bon. Ah si, il est là. Bonsoir. Alors, je dois avoir un bug. Je dois avoir un bug parce que ma manette, elle vibre à mort, là. Là, il doit y avoir un bug énorme. Mais je veux pas être en mode vibromasseur, moi, mais... Mais elle arrête plus de vibrer. Oh, c'est débile. Oh, c'est une belle journée, n'est-ce pas? Enfin, lui, le mec, c'est un super saiyan. On voit sa coupe. Ouais, fermé jusqu'à l'été. Jusqu'à l'été. Bon, je ferais peut-être bien de retourner dans ma ferme, moi. Encore un petit peu d'énergie à dépenser. Autant que je le fasse intelligemment. Ah, comment je peux voir si j'ai fait plaisir au maire ou pas? C'est dans le social, je crois, non? Ouais. Il a aimé mon cadeau ou pas? Comment ça, j'ai fait aucun cadeau de ce genre? Ah, neutre. Bon, je m'améliore. Il est neutre pour le cadeau. Ça veut dire qu'ils aiment me parler, c'est ça? Ah, j'ai pas mal déblayé hein, sur certains aspects. Bon allez, c'est pas mal. Oh, je sens que la récolte va être belle. Allez, s'il souhaite, faut savoir se faire plaisir. Le temps que la maison chauffe un peu, je vais ranger mon matos dehors. L'arrosoir, je vais m'amuser à la remplir. Ce sera mon dernier geste de boulot de la journée. Voilà.
D'ailleurs, vas-y voir que je compte un peu ce que j'ai dans le... Que je prenne conscience un peu de tout ce que j'ai. Hey, j'ai presque 100 de bois, je vais bientôt me refaire un coffre. Ça vaut le coup. Donc je crois que j'ai quasiment déjà les objets de printemps pour l'offrande à faire dans le centre communautaire là. Ce que a dû m'inculquer le sorcier. Est-ce que je pige pas, c'est le coup des couleurs en haut. Il me propose une palette de couleurs, je capte pas. Attendez, excuse-moi, je suis en train de me masser les muscles. Parce que je suis tellement en douleur que me masser me fait du bien. Alors que je vous lise, c'était pas le jeu fait avec le sage, s'il n'avait pas été grande utilité là. Pas en état pour les copes, car sous traitement, pas de soucis. Je reviens, je vais faire quelques courses. Oui, bonne course à toi, Funfan. T'as bien raison. D'ailleurs, moi, je vais continuer à manger un petit peu, là. Je suis pas raisonnable, on va dire, parce que j'ai croqué qu'un biscuit. Hein. J'aurais dû manger mon paquet de 4 et j'attaque que le deuxième. Ouais, non. J'étais tenté d'aller chercher le bois, mais non, mais non. Allez, repos. Ah, pour les allergies au pollen. Non, attends, j'éteins le feu d'abord. Ah, c'est beau. C'est poétique.
Ah, je vais me faire une caisse. Eh, faut que je fasse mon éventail, moi. Oh, crotte, il faut beaucoup de choses. Ah, merde, zone limitée de 8 carreaux. Ah, 50 de bois, un chardon, 20 fibres. Allez-y. Bon bah tant pis pour le coffre. Hein. Bon, c'était pas urgent, ça va encore, mais. Wekaz, ouais, si, allez, je vais le mettre là. Pour avoir un truc efficace. Bah, je vais mieux, oui, parce que tu vois, je diffuse. Donc, hier, j'étais tellement claqué que j'ai passé comme un chat ma journée à dormir. J'ai enchaîné les siestes. C'est assez horrible. C'est-à-dire qu'on passe 24 heures à quasiment ne faire que dormir. Et là, quand je me sens mieux, je peux jouer et papoter avec vous. Mais je mets pas la webcam parce que je pense que je présente pas beau, pas frais. Je dois être grimaçant quand même au niveau de la douleur. Et comme je suis en position semi-allongée et non pas en position assise comme d'hab, l'angle de caméra est pas bon, donc je mets pas la cam. Et il me fallait un jeu simple qui se fasse intégralement à la manette. Même le clavier, ça aurait pas été top. Je garde mon énergie pour tout à l'heure chez FunFan, Worms Armageddon. Mais ouais, ça va mieux, merci. Je reprends du poil de la bête, mais c'est pas encore ça. Hein. Merde, oula, qu'est-ce que je fais? Ah merde, il n'y a plus d'eau dans la rose. Ouais. Ah, peut-être que j'aille voir le forgeron là avec mes géodes. Qu'il aille me les ouvrir. Tiens, puis je vais peut-être faire l'offrande à la. Je sais plus ce qu'il fallait comme cadeau. Je crois que c'est les quatre trucs là. J'allais faire l'offrande à la maison. Là. Merde, je voulais dire bonjour à la miss et j'ai loupé mon coup. Ah bah là.
bonjour, tu fais une petite pause? Oui, tu m'étonnes que je fais une pause. Salut, Dewey. Les arbres sont si beaux aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, pourquoi aimes-tu... Quoi? Le télédirect. Alors, pourquoi aimes-tu le travail agricole? Je peux gagner beaucoup d'argent. C'est plus réel que de vivre en ville. Je veux suivre les pas de mon grand-père. Je voulais échapper à mon ancienne vie. Je venais ici pour la même raison. C'est-il pas beau? Bienvenue. Si tu cherches des graines, tu es au bon endroit. Tu m'étonnes. Sauf que là, j'ai pas de thunes. Alors le beau gosse, il fait quoi le beau gosse? Salut. Oh, t'es qui toi? Ah, c'est l'autre poivron. Je te connais pas, pourquoi tu viens me parler? Oh, il est chiant lui. Ah! Oh, j'avais pas vu ça. Rejoins-nous, prospère. La vie en rose avec Jojo. Ah, marché Jojo. Comment ça, rejoins-nous? Maurice. Bienvenue chez Jojo Mart. Comment vas-tu aujourd'hui? Je ne crois pas avoir fait ta connaissance. Je m'appelle Maurice, responsable de la satisfaction clientèle chez Jojo. Tu décides de devenir mon Jojo, je vais me faire un plaisir de t'aider à faire ton entrée dans cette nouvelle vie joyeuse. Ouais, tu parles. Ah. Ah oui, alors. Eh, le mec. Alors, pardon. Le mec qui a le vraiment du mauvais goût. Il tapisse sa piole chez lui en papier peint sponsorisé d'une marque précise. Waouh, mais quelle drôle d'idée. Alors, pêcher te rapporte pas mal de thunes. Revendre certains cristaux aussi, ça peut aider. Des cristaux. Quand tu vas à la mine, oui. Eh, hey, graines de panais, elles sont moins chères chez... chez Pucky, là. Chez Pierre, elles sont à 20, pas à 25. Oh, les escrocs. On peut dire aussi, ils ont peut-être des exclusivités. Ah, revêtement de sol, ça, c'est pas con. Quand tu dois refaire une pièce, c'est pas con du tout. On veut le truc en solde. Oh là là. Oh la vache. Le poisson. Eh ben. Ouais, ouais, c'est un escroc le mec, ouais. Oh, il y a un champignon. Bon, moi je voulais aller dans la maison à retaper là, du village. C'est pas comme si on allait vers les 20h. Non, 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 c'était pas par là. J'avais pas franchi le pont normalement. C'était plus en haut. Oh! Oh! Il y en a des fleurs. Ah, mais c'était où? Oui, et ça, je peux le faire ou pas? Ah si, je peux le faire. Ouais, c'est bizarre. Et j'ai le droit de bêcher ou pas? Non, j'ai pas le droit. Alors, je vais essayer de faire l'offrande là. L'offrande des prêtres.
J'ai. La jonquille. J'ai. Le poireau. J'ai. Et le pissenlit. J'ai. Collection terminée avec la petite montgolfière. Oh, ça lui offre ouvert un chakra là. Récompense. Graines de printemps. Un assortiment de graines sauvages de printemps. Wow, 30. Oh la vache. Énorme. Énorme. Oh mon dieu. Il se passe des choses dans cette demeure. Oh là là. Ah, ce sont les esprits. Merci pour le GG. D'accord. Ah, il faut que je varie, mais... Ok. Oh la vache. Paquet animal. Oh là là. Ah ouais, c'est quand tu montes en gamme dans la production. J'y vais. Oula. Oula là, ça en fait des Pokémon. Oh, faut aller même en mer. Oh là là, il y a même des poissons dits de nuit. Oh la vache. Oui, il se fait tard. Oui, j'avais mis en vente mes trucs. Oui. Ah, j'avais dit que je donnais les géodes au... Oh, merde. Il faudra que je les plante. Ça, il faut que je les plante le lendemain. Alors, qu'est-ce que dit la météo? 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Hommage à Claude MC Solar. Attends, ça sera clair et ensoleillé. Merde, faudra que j'arrose. Et là, j'ai un gros doute. On est d'accord, j'ai arrosé. Oui, je vois que c'est pas... Oui. C'est que j'ai arrosé, c'est bien. Oh! Cueillette. Alors, récompense de hache. Les arbres donnent parfois des graines. Ah ouais. Nouvelle recette de fabrication, graines sauvages. Ok. Nouvelle recette de fabrication, le casse-croûte. D'accord. Alors... Quand tu dis ça, Christella, il peut y avoir les ennemis la nuit. Mais ce ne sont pas des creepers.
Ouais, c'est dans la logique minecraftienne, ouais. Que je me fasse un éventail. Quoi? Attends, je fais pause. Pour le direct de tout à l'heure, nous avons décidé à l'unanimité que toi et Bastos pour pas que vous ayez l'alarme du groupe. Quoi? Pour pas que vous ayez l'alarme du groupe de la quelle avocat. Je passerai dans mon serveur si entre temps tu te sens, tu seras toujours le bienvenu. Sinon tu pourras faire comme Twitter, jouer sans vocal. Oula, t'as ton correcteur orthographique qui t'a changé deux mots sur quatre. Mais oui, on verra tout à l'heure, t'inquiète pas. Là, je pense que j'ai une énergie suffisante pour pas faire de sieste. Là, j'ai fait les bonnes conditions. Pour le moment, je me sens bien. Je ne sens pas assommé de fatigue. L'alarme de l'avocat pour vous dire de venir dans le groupe. 14h ton direct, non? À quelle heure tu fais? À quelle heure tu prends ton antenne? 15h? Ok. Alors, à mon avis, ce que je vais faire, à partir de 13h, vers 13h et quelques, je vais couper. Je vais déjeuner. Et je reprendrai mon antenne peu après 14h. Et je te ferai un relais de chaîne. Même si je fais 30 minutes de Stardew Valley, je m'en fous, je te ferai un relais de chaîne. Je reprendrai après le Worms. Ouais, je vais me faire un champ ici. Thank you.
Faudrait que je me fasse un chemin. Stylé. PLS. Oh, oh, il est déjà en PLS. Bon, d'accord, il a battu des arbres, je suis d'accord, mais quand même. La recette de la... de l'Anka, je crois, non plus. Ah, d'accord. Ah, c'est vachement rentable quand on y pense. Les 4 trucs-là, ça donne un paquet d'un... C'est pas mal. Ouais, je me fasse un fait de pont, ce serait stylé. Un chemin pavé. Sympa.
je vais remplir l'arrosoir. On va aller un peu au village. On va aller faire la causette avec les gens. Oui, c'est ce que je fais, oui, là, oui. J'aimerais mettre champignons rouges sur la table pour moi, pour moi, leur père, les voisins, pour la journée. Merci, Georges. Non, j'ai pas ça. Ah, j'ai un peu de thune. Attends, je revois ce qu'ils vendent. Je remarque que le revêtement au sol est pas le même que je sais plus qui en vendait. Dans le panais. Allez, Zou, je me suis encore ruiné en panais. Alors, que je fasse la causette. Salut, Amy. J'arrive à temps partiel au salon de bus. Ça fait des factures. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. La plage est un endroit sympa pour se détendre et profiter du soleil. J'ai l'impression qu'il regarde son chien, lui. À moins que les deux petits points que j'ai vus dans la cage, c'était le chien en question. Oula. Oh, allez, Furax. Ne traîne pas autour de ma caravane quand je suis pas là, compris. Pourquoi elle est en pétard? Pour être prêt à affronter une pluie froide sur l'océan. Tu m'étonnes. Oh la vache. Salut, détends-toi et amuse-toi. Ah si, je peux y aller. Lui des chambres ou c'est chez lui? Non, je pense que c'est ses quartiers privés. Ah oui, c'est sa chambre, ouais, c'est ça. Message de FunFan1992, je vais refaire le message pour le stream de tout à l'heure pour éviter. Pour toi et Bastos, une alarme sonore de la vocale de groupe. Nous avons décidé que la vox serait dans mon serveur. Il y a également Twinson qui a dit qu'il participerait pas en voc. Si tu changes d'avis, ça reste possible. Ok. Mardi.
Mais je l'avais pas encore rencontré, Marnie, je crois. Mon neveu Shane habite chez moi depuis quelques mois. Voilà, je suis chez qui? Jeudi. Le sport est important pour rester en bonne santé. Je m'arrange toujours de réserver du temps pour ça. Waouh, la vache, ils sont bien équipés. Non mais ils sont chez eux, je vais pas les emmerder. C'est la ferme en dessous de chez moi. Oui, la musique était un peu forte. Oui. Ouais, c'est propre au bar. Dans le bar, ils font péter la sono. C'est à des heures de Pokémon, ouais. Ah, j'aurais pas arrosé, chic. Demain, je plante les nouvelles graines de panais. Ah, faut que je boive un coup. Attends, pause. Oui, alors attends, social, j'ai perdu là avec l'alcoolo qui m'a engueulé. Route pour retour de ma caravane quand j'y suis pas. Je sais plus qui c'est. Non, 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 j'ai pas mangé le panais. Bon, bah c'est cool de pas avoir arrosé, ça m'arrange grandement. Ça m'arrange grandement. Alors, je sais qu'il y a des trucs bizarres à explorer. C'est les bûcherons. Ah, Linus. Alors ça, c'est clairement
pour moi un hommage à Linux, le système d'exploitation. Parce qu'en fait, le créateur du système d'exploitation se nommait Linus Torvald. Alors moi, je le vois comme un hommage. Dès qu'il y a un perso qui s'appelle Linus dans un jeu vidéo, je dis que c'est un hommage à Linux. Je te connais pas assez pour te faire confiance, désolé. Ah, ces hôtels. Ça, c'est l'hôtel du raton laveur. Tiens, tiens. Guide des aventuriers. Aventuriers aguerris seulement. Oh la vache! Ah, c'est ça! La quête de la demeure là. Réparer le pont en récompense. C'est ce pont là. Et j'ai un autre pont beaucoup plus vers le sud, vers la plage. Où si j'ai 300 bouts de bois, je peux le réparer et accéder à un nouvel endroit. Marlon. Ok, le mec il m'a fait et il m'a tendu une épée. Dans un piteux état. Là ça fait Pokémon, là oui, là je suis d'accord. Ah merde, ma pioche est pas... Je peux pas y aller à pied. Non. Là, il y a une porte. Ça a pas l'air de fonctionner. Comment ça, 1? N'oublie pas que c'est des sous-sols, le 1. Putain la vache. Le fameux minerai de cuivre qui permet de faire je sais plus quoi. Ouais, les bombes. C'est pas un copain. J'aime pas trop le système de combat, c'est pas évident. Oula.
J'ai fait mon combat de la journée, ça va. Ah, je vais pas me risquer davantage. Surtout que je reviens pas les mains vides alors. Oui, tu as raison, reste prudent. Oui, bah oui. Oh là là, j'en ai de ces trucs. Oh, je sais plus où est-ce qu'il est le forgeron là, qui me fasse les géodes, ce serait bien. Je vais sûrement récolter des trucs. Ah, il va... Ah, jusqu'à 16h, bah, c'est trop tard. Voilà, il ferme maintenant le... Ok. Oh la vache. Oh les herbes. Tellement à défricher. Ou alors c'est bugué, ou alors j'avais pas fait gaffe, mais c'est bizarre, le fait de défricher ça bouffe pas de l'énergie. Mon perso a toujours mon personnage a toujours autant d'énergie là. Ça me surprend.
ce son était tellement étrange. Ouh là là. Eh bien, ça en fait des fibres. Hop là, le dodo. Faut que je regarde dans le calendrier là. Merde, c'est dans la mairie là. Sur la place centrale du village qui est. Oh! Clint! Eastwood! bonjour! Je t'ai vu briser des rochers avec ta pioche pour trouver du minerai. C'est du bon travail ça! Si tu veux pouvoir tirer le meilleur parti des minerais que tu trouves, tu auras besoin d'une fournaise. Il s'avère que j'ai des plans de construction supplémentaires. Tiens, ils sont pour toi. Ah bah merci mec. Cool, je peux faire une fournaise. Une fournaise te permet de faire fondre des lingots de métal. Les lingots de métal peuvent être utilisés pour l'artisanat, la construction et l'amélioration d'outils. Lorsque tu auras obtenu quelques lingots de cuivre, passe me voir pour que je puisse améliorer l'un de tes outils. Ça facilitera beaucoup ton travail. Bon, eh ben, je rentre chez moi. Prends soin de toi. Voilà, puis j'ai de la lecture. Perdu. J'ai perdu ma hache préférée. Si vous la retrouvez, veuillez me la rapporter le plus rapidement possible. Mon travail est très difficile sans ma hache. Il y a 250 pièces d'or pour celui qui la... Enfin, oui, on sait qui la retrouve. Signé Robin. Qu'est-ce qu'elle est allée perdre sa hache, la malheureuse. Il y a un ancien puits de mine dans les montagnes au nord du village. Il pourrait y avoir des mines précieux à l'intérieur, mais Marlon pense que ça devrait être dangereux. Mais tu m'étonnes avec les potions qu'il y a. Atteignez le niveau 5 dans une minute. Oh. Si vous agissez de poursuivre vos activités minières, vous devez construire une fournaise. Hache perdue de Robin. Robin a perdu sa hache préférée la dernière fois qu'elle se souvient d'avoir utilisé. Elle coupait du bois au sud du ranch de Marny. Elle coupait du bois au sud du ranch de Marny. Mince. Ah! C'est la carte que je voulais. Le ranch de Marny. Attends, je vais prendre la souris, ce sera plus facile. Ah, ferme de Marny. Et c'est quelque part par là qu'elle l'aurait perdu? Ah, faut que j'arrose mes plantes et puis je vais aller... Oh mon dieu, la récolte de fou. Je suis riche! Ah, il y en a même qualité or, les panneaux. Oh la vache. Oh, des exceptionnels. Oh là là.
spéciaux, je vais me les garder pour moi. Ceux de haute qualité. Eh ben. Allez, Zivago, que je t'arrose tout ça. Oui, je vois pas ce que je peux faire de mieux, de plus. Ça serait peut-être bien que je me fasse un autre coffre. Parce que là, je commence à cumuler des trucs. Je vais encore me faire un coffre extérieur. Puis on va partir en quête de la hache de l'intéressé, là. La hache de la malheureuse. Pas l'air débile quand je frappe dans le vide. Ah, la fameuse fournaise. Oh la vache, 20 minerais de cuivre, énorme. Chemin en pierre. Ouais, il faudra que j'en fasse aussi des chemins pavés. Que je me fasse un beau truc. Ah, je crois que c'était 100 les coffres. 100 de bois, mais non, c'est 50. Ah, bah ça va. Nickel. Non mais en fin de partie, je pense que ça va devenir un entrepôt, le truc. Ça va être la folie. Bon allez, on va chercher la fameuse hache de Marnie. D'ailleurs, je reviens de passer par le bas, par rapport à ce qu'il disait. Faut que je me dirige plein sud. Bon app pour ceux qui passent à table, vu l'heure. Jas, Burke, ça sent mauvais, tu m'étonnes. Oula, ils sont en pleurs les gamins, qu'est-ce qu'ils font? Alors Colly vient de nous pêcher un barbeau méridional, GG. Pourquoi c'est verrouillé? Je veux explorer les égouts. Jeune aventurier, tu n'es pas encore prêt. Je crois que Gunther a la clé. Professeur Gunther, l'homme qui dirige le musée, pourquoi crois-tu qu'il a la clé? J'ai vu tomber une grande clé rouillée de sa poche un jour.
Une vieille porte d'égout effrayante comme celle-ci ne peut aller qu'avec une grosse clé rouillée. Ah. Quelque chose bouge là-dedans. Ouais, il y a de la vie dans ces... corridors sombres et putrides. Ah, ok. Ça fout les jetons. Ah bah. La gamine. Je dois pas parler aux inconnus. C'est bien. Non mais elle a raison en plus. Elle a raison. Salut. Bah ça c'est jovial. Voilà, tu rentres chez quelqu'un, l'autre il t'accueille à bras ouverts. Salut. C'est beau un bonjour printanier, ça fait plaisir. Oh yeah. Ouah, rappelle-moi de gagner à la loterie nationale pour venir acheter chez toi. Oh putain. C'est hors de prix. Acheter. Quoi? Oula, oui. Oulala. 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 J'aime bien le papier peint avec les œufs. Eh, hey, pas mal, j'aime bien sa baraque. Bon, allez, ça se fait pas d'ouvrir les portes chez quelqu'un qu'on connaît pas. Mais attends, il m'a fait un bonjour commercial, mais le bonjour social, là, il va me parler. Ah, mais c'est Marnie, je l'ai pas reconnu. Salut, tu as besoin de quelque chose? Bah non, pas spécialement. Oui, je cherchais ta hache, ma grande. Non, je sais plus. Qui c'est qui a perdu sa hache, c'est... Non, c'est Robin qui a perdu sa hache au sud de chez Marnie. C'est fermé. Seuls les amis de Léa. Ok. Oh la vache, je peux récolter du bois à gogo là. Ne dis pas que c'est là-dedans que j'ai retrouvé la hache de la miss. Oh! Ça, c'est un truc à récolter. Ah bah, lave-la, je crois. Non, c'est Léa. En fait, il y a beaucoup de nourriture à l'état sauvage dans le coin si tu sais bien chercher. Ouais, c'est sympa, ouais. J'admets volontiers que c'est vachement sympa. Comment veux-tu que je retrouve sa hache à la miss? Elle l'aurait perdue là-dedans?
Oh! Attends, c'était un pont, ça? Une passerelle? Trop bizarre. Oula, il y a des déchets sur la plage. Tiens, c'est abandonné ici. Bah oui. L'homme qui sait tout faire. Et là, il retape la maison à lui tout seul. Et il va être 17h, j'ai aucune... Qu'est-ce qu'elle a fait de sage, la malheureuse? Attends, j'aimerais bien aller sur la plage, là où on a vu les déchets et compagnie. Visiblement, je ne peux pas. Bon, bah comme ça... Oh là 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 là. Avec la rivière, là, c'est la folie. Ah, la v'là. Alors, Robin. Ah oui, non, mais sans déconner, il y en a des trucs. Merde, inventaire plein. Bah attends, je vais manger un... Allez, mange un oignon, ça va faire une haleine d'enfer. Ouais, mais le problème, c'est que... Attends. Robin, elle doit être chez elle, je pense. Elle est où, Robin? Alors, je vous avouerai que je sais pas où est Robin. Ouais. Alors, je crois que pour aujourd'hui, la hache s'est loupée. Ouais, non, je vais retourner dans la baraque. Oh.
Ouais, non. Pour le restituer, sache, c'est loupé. Il faudrait que je la revoie plus tard. Je voudrais pas dire, mais j'ai l'impression qu'elle a une hache de mauvaise qualité comparée à la mienne. J'ai pas l'impression qu'elle est top, sa hache. Attends, on va tester. J'ai des souches, il me dit que je peux pas le faire avec mon matos. Non, j'ai pas le droit d'utiliser sa hache. Ça marche pas comme ça. Ah, faut que j'aille à croiser Robin. À la portée à bout de bras, j'ai l'impression qu'il va y avoir une cérémonie occulte là. Ah, ça fait trop bizarre. Bon, journée ensoleillée demain. Ouais, je suis là. Oh là, oh vache. Agriculture niveau 2. Arrosage, ouais, et où? Nouvelle recette de fabrication, la clôture en pierre. Machine à mayonnaise. Waouh, s'il faut une machine pour faire de la mayo maintenant. Normalement, une bonne cuisine suffit, mais bon, pourquoi pas. Oh, un arroseur, ça m'intéresse, ça. La recette de l'arroseur. D'accord. Ah, l'arroseur. Oh merde, lingot de cuivre, lingot de fer. Arrose 4 carreaux adjacents chaque matin. Oh punaise. Oh punaise. Ouais, donc il faut vraiment que je passe la forge là. Aïe aïe aïe. Putain, 20 minerais de cuivre. Non, mais je vais devoir me battre dans les murs. Alors, elle est où? Ah bah, lève-la. Non, c'est Marnie, merde, c'est pas Robin. Oh, yo, Marcel. Tu vois ce chat là-bas? Je me dis, c'est quand qu'elle est arrivée, l'animal de compagnie. Je l'ai trouvé assis devant l'entrée de ta ferme. Je crois que c'est un animal errant. Pauvre petite chose. Tu m'aimes. Je crois qu'il aime bien cet endroit. Et tu ne penses pas que ta ferme aurait besoin d'un chat? J'adore les chats. Mais oui, je l'adore. Alors, un nom. Matou. C'est beau, Matou. Eh bien, Matou. Sois un bon petit minou maintenant. Eh oui, Matou Minou. Alors j'ai déjà anticipé l'arrivée du chat en fait en mettant la gamelle à l'angle rempli de flotte. Ouais, c'est bon. Le chat de l'eau. Alors, la lecture. Bonjour Marcel. Demain nous organisons le festival des œufs sur la place du village. Vous devriez venir entre 9h et 14h si vous souhaitez y assister. Vous ne voudriez pas manquer la chasse aux œufs annuelle, Mère Lewis. Et tel qu'il le dit, on dirait que c'est un truc de Pâques, ce machin. Bon allez, je vais aller chercher l'intéressé, j'espère que ça ne prend pas trop de temps que je restitue sa hache à la Nice. En espérant que je la croise.
merde, oui, c'est vrai, je suis un peu matinal. Mais... d'accord, c'est la hache de Robin, Robin. Où est Robin? Non, je pense pas que je la trouverai sur la plage. Oh vache! Il y a de ces trucs à récolter. Oh! Ah bah oui, je suis con, c'est la station de pêche. Que je suis bête. Allez, blâme. Ça, c'est bizarre, on dirait que le sol est pété. Non, là, y a personne. J'allais dire j'ai pas de thunes, mais si, j'ai énormément de thunes d'ailleurs. Alors là, là j'ai peut-être pas me ruiner en panais. Ah, continuera à pousser après cela. Ça, c'est intéressant. Dans le haricot. Ouais, je vais investir dans le haricot, les gars. J'arrête d'aller dans les endroits. Oh, c'est un piaf. Faut que j'arrête d'aller dans les endroits du village où je risque de croiser personne. C'est ridicule, mon truc. Tant qu'il y a personne, allez hop. Inspection des ordures. Eh, quoi de neuf, fermier? Je pense pas qu'il y ait du monde par ici non plus. Ah oui, c'est l'escroc. J'avais oublié la présence de l'escroc. Oh, il fait son potager. Comment ça va? J'espère que les choses se passent bien à la ferme Paradis. Je n'aimerais pas vous voir tout votre travail se tarir. Ben oui, ça se passe bien. Non, la plage, j'y suis déjà allé. Bon, là, c'est le recueillement, c'est le cimetière. Allez, t'ignore. Vilaine fille, beau. Ah, il fait du skate, le mec. Il essaie de faire un petit flip. Non, je pense pas qu'il soit là. Alors là, là, c'est un côté un peu chiant du jeu, c'est courir après les gens. Il n'y a personne ici.
crois que je vais aller déposer la hache aux objets trouvés. Ce serait pas con que je fasse ça. À défaut de la croiser, parce que là je perds mon temps du coup. Et il faut que j'entretienne ma ferme. Donc du coup je vais me rendre aux objets trouvés. Dans la boîte. Ah merde, je suis vraiment obligé de partir à sa rencontre. Oh mes crottes, il faudrait avoir un système de localisation de qui est où là. Parce que je vais pas m'en sortir. Je vais peut-être aller voir au saloon au-dessus, mais. Ouais, à cette heure-ci, il n'y a personne. Il démarre sa journée. Quelle misère. Bon, j'ai perdu trop de temps avec son histoire de hache, là. Faudra qu'elle me rende visite si elle veut retrouver sa hache. Bonjour l'ami. Content de te voir en live, cela veut dire que tu vas mieux. Salut Vulcain, zoubi bisou. Oui, merci. Bonjour monsieur Popon. Ouais, bah je reprends des forces, c'est pas encore ça, loin de là, mais ouais, ça va mieux, merci, ouais, ouais. Et merci pour le réabonnement, c'est gentil tout plein. Eh oui, bisous monsieur Popon. Voilà, je vais pas arrêter pour faire mon miam. Je vous retrouverai soit un petit peu avant FunFan, vers 14h et quelques, ou alors on se retrouvera à 15h chez FunFan, et je reprendrai mon Stardew Valley après. Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. 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 Ah merde. On va faire comme ça. Alors, l'arrosoir. Merde, j'ai arrosé le sol. Là où il n'y avait que puits.
Ah merde. Je dois avoir une graine à planter en plus, je crois. Je remets dans mon coffre. Oui, bon app, merci. Ouais, je vais arrêter là. Je boucle ma journée dans le jeu et puis je fais un relais de chaîne à quelqu'un. Alors, à mon avis, je vais prendre mon temps. Donc, on se retrouve à 15h chez FunFan et je ferai la suite de Stardew Valley après la session de jeu chez FunFan. Je ferai une soirée tranquille, pépouze en Stardew Valley. C'est vrai que le jeu est bien sympathique. Alors attends, il va me dire la météo si c'est cool ou pas. Ah oui. Ah là là, la fête des œufs. Hein? C'est quoi ça? Ah, c'est mon chat, c'est vrai. Je l'avais oublié déjà. Oh merde. Non, attends, je vais éteindre le feu d'abord. Surprenant que le chat n'ait pas dormi sur le lit. Nickel. Oh, il y a un bug. Quoi? Call template zombie. Ah oui, je crois que ça génère un zombie quand dans Minecraft quand on fait un abonnement, c'est vrai. Je m'étais amusé à faire le test là aussi. J'avais complètement oublié que j'avais programmé ça. Manque de bol, je ne joue pas à Minecraft là pour le coup. Alors, je vais regarder chez qui je peux vous faire un... Uniquement, je vous mets le tableau mystère en attendant. Reste à trouver l'image du milieu, là, avec l'espace et la tête des Gugus. On fera le point ce soir sur le tableau mystère. Alors, qui c'est qui diffuse, qui c'est qui diffuse pas? Ah, j'aurais petit Seb. Ouais, pourquoi pas. Petit Seb Live. Il fait du Heaven Dust 2. Je sais pas ce que ça vaut. Merci à vous d'avoir été là. Merci Poupon pour l'abonnement. Merci FunFat pour le réabonnement. Pour ta présence, ta modération. J'ai pas fait gaffe s'il y avait des clips, mais merci. Alors, ouais, je pense qu'on va faire comme ça. On se retrouve à 15h chez FunFan. À 15h chez FunFan, on va faire du Worms Armageddon. Et je reprendrai mon antenne après ou je continuerai mon Stardew Valley en soirée. Voilà. Ça me semble être le bon programme. Oui, bon appétit. Merci Christella. Merci à toutes et toutes d'avoir été là. J'espère que je ne me suis pas loupé dans les remerciements. D'ailleurs, je suis un ego. J'ai un panneau de contrôle pour voir si j'ai vu juste ou pas. Merci tout plein. À tout à l'heure à 15h chez FunFan. Bon app. Merci.